On est en train de se préparer pour le traçage du parallèle qui va attaquer à 9h. Notre séparation de piste, c'est ça. Il y en a un qui descend et qui va me le mettre au jalon du milieu orange qui est en bas. Donc là, il y a le jury et le traceur. On va se mettre à leur disposition et ils vont dire bon, on va attaquer à tracer. On va commencer par le bleu, on va commencer par le rouge. On va mettre un piqué ou deux piquets. Il y a un peu les mouvements de terrain, mais ça va bien vers le bas. Faut bien coller au terrain. Les filles de la technique commencent à arriver. Elles attaquent leur championnat du monde. Elles rentrent dans leur course. Et les filles de la vitesse sont déjà parties. Bonjour, bienvenue au Race Office. Au total, on accueille à peu près entre 80 et 85 nations, hommes et dames confondus. Là, c'est la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui vient d'arriver. On leur donne leur accréditation, leur expliquer où est la zone d'entraînement, où est la zone de qualification et toutes les infos qu'ils ont besoin de savoir pour que ça se passe au mieux pour eux. You will have one place of parking here in the Alpinium building. Thank you so much, good evening. Première partie donc de ce parallèle tracé, donc ils ont mis 19 portes, ça a été pointé au GPS et après on garde notre ficelle et nos petits mètres juste pour vérifier sur les 2-3 premières portes si ça concorde avec le GPS. Tracé fini, validé, on vient d'envoyer un ouvreur du comité limite Coupe d'Europe. Maintenant on va laisser tranquille et on ne touche plus jusqu'à demain matin. Elles sont motivées, elles ont fait une bonne préparation. Après, c'est à elles d'être le jour de la course, d'être focus sur ce qu'elles ont à faire et d'être concentrées sur le ski. Parce que c'est ça, le plus important, c'est le ski.